Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje eu farei uma coisa aqui que normalmente eu não faço, mas como eu estou na função de quem representa o Centro Ruth Cardoso, eu vou ler um começo de página aqui, pelo menos, porque assim me foi pedido pela Regina. Então, em nome do Centro Ruth Cardoso, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui hoje. Ela completa autoridades, parceiros, amigos e familiares da doutora Ruth Cardoso. Sejam muito bem-vindos. O Centro Ruth Cardoso foi fundado em 2010 para preservar a memória e a obra acadêmica e social de sua titular. Presumo que titular se refira a Ruth Cardoso. E hoje o Centro Ruth Cardoso se transformou em lugar de conexão e encontro, pautando suas ações e sua programação na articulação e disseminação de conhecimentos, propósitos e causas relacionadas à prática de Ruth. Além das instalações do Centro Ruth Cardoso, estas aqui, neste edifício, ele também congrega outras organizações criadas pela antropóloga, como a Alfa Sol, que tem Manuel Sintra como presidente, a Comunitas, a Unisol e a Arte Sol. Todas essas organizações estão ligadas aos temas de atuação de Ruth Cardoso, seja no apoio à formação de jovens e adultos, na preparação desses jovens para o mercado de trabalho ou na própria gestão pública, com a formação de lideranças e inovações para o setor, sempre em torno de causas que unem a sociedade para uma agenda comum. Muito bem. Eu queria agradecer à senhora Ivete Jagui por ter aceito o convite de falar hoje à noite no Centro Ruth Cardoso. Este encontro se tornou possível porque Geraldo Cohen, que eu não vejo aqui, que está ali atrás, sugeriu que nós aproveitássemos a presença da Ivete em São Paulo para discutir um tema que é um tema que se tornou um tema cada vez mais importante no Brasil, que diz respeito à necessária revitalização da vida democrática brasileira. E Ivete tem a nos dizer a respeito desse tema, não apenas de uma perspectiva teórica, mas de uma experiência prática muito importante. Ela tem uma longa e substantiva trajetória intelectual. Tem uma tese sobre Jean-Jacques Rousseau e sua influência nas ações de Robespierre. Foi professora e continua sendo professora ao longo de toda a sua vida. Mas participou da vida pública da Suíça, e, em particular, do seu cantão, que é o cantão de Vaud, cuja capital é Lausanne, de uma maneira muito intensa. Como prefeita, a primeira prefeita mulher da cidade de Lausanne, e como presidente da Assembleia Constituinte, que mudou a Constituição centenária do cantão de Vaud durante os anos de 99 a 2002. É um longo processo, um processo que carrega inovações muito importantes do ponto de vista da forma de elaboração de uma Constituição, que aponta caminhos de participação política da cidadania que podem nos ser úteis. Termino aqui dizendo uma coisa que certamente com a qual a Ivete concordará. A experiência suíça é uma, a experiência brasileira é outra. A gente precisa ter cautela com a ideia de que a gente possa fazer transposições automáticas de uma experiência suíça à experiência brasileira. Vale lembrar que a Suíça começa a experimentar formas de participação direta da cidadania ainda na Idade Média, ainda no século XIII, uma cidadania definida de maneira restrita. E, a partir do século XIX, em particular, da metade do século XIX, a participação direta da população passa a estar inscrita na Constituição Federal da Suíça. Ainda assim, tendo em vista essas diferenças, diferenças que são de história, diferenças que são de escala de país, todas essas diferenças, ainda assim, a experiência da Suíça, em particular, elaborada pela Jagui, pela sua trajetória e pela sua capacidade como acadêmica, acho que nos oferece aqui uma oportunidade de um aprendizado.
Ouviremos a Ivete Aguirre por cerca de 25 minutos, com tradução simultânea, e depois a gente abre para perguntas, eu procurarei fazer a moderação. Então, eu convido a Ivete Aguirre a tomar assento aqui para que nós possamos... Do you rather speak from here? Então, ela falará daqui e eu vou sentar ali quietinho e ouvi-la também por 25, 30 minutos. Por favor. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Pour parler d'un sujet d'espoir. Et je vais vous raconter une petite histoire qui devrait vous stimuler. Parce que je crois savoir que le Brésil vit en ce moment des temps particuliers, enfin carrément difficiles. Et c'était aussi le cas du canton de Vaud dans les années 1990. Et dans ces conditions de difficulté, la population ressent le besoin, et je dirais que les plus lucides parlent plutôt de nécessité que de besoin, d'un renouveau, d'un mouvement citoyen, d'un appel citoyen. En particulier, on sent monter concrètement le désir d'une nouvelle charte fondamentale, c'est-à-dire d'une nouvelle constitution. En tout cas, cette attente, elle peut être récompensée parce que la fabrication d'une constitution a suscité, dans le cas que je vais évoquer maintenant, une véritable renaissance citoyenne, d'abord des auteurs de la constitution, et puis ensuite de la population après son adoption en votation populaire. Je vais donc vous parler d'une expérience vécue, apparemment non transposable. Slide numéro 1. Apparemment pas transposable dans les échelles de l'espace et du temps entre le Brésil et la Suisse, d'une part, entre l'État de São Paulo et le canton de Vaud, d'autre part, sont différentes. D'abord, la forme de l'État. Ça, c'est difficile de transposer directement. En Suisse, nous avons une confédération d'États réunis qui ont décidé de se fédérer. C'est eux qui sont les souverains, ce n'est pas l'État central. Et ici, on a au contraire une république fédérative, c'est-à-dire que c'est vraiment Brasilia qui, en quelque sorte, du haut du district fédéral, oriente la vie de tout le pays. En Suisse, nous avons un système très compliqué d'ascenseurs, puisque tout en bas, nous avons les communes, environ 2500 communes, qui dépendent chacune de leurs cantons respectifs. Le canton, c'est-à-dire l'État fédéré, étant lui-même souverain par rapport à la Confédération, qui est à Berne un État subsidiaire. Donc, vous voyez, c'est au fond, c'est le milieu, l'étage milieu de la pyramide qui est déterminant. C'est-à-dire que tout passe par les cantons, ce qui complique beaucoup les choses, parce que nous avons 26 cantons, comme vous avez 26 États fédérés. La Suisse a une longue histoire, ça c'était pour l'échelle, je dirais, spatiale, on va y revenir. Mais l'échelle historique, l'échelle du temps aussi est différente. La Suisse a démarré dans un petit noyau de trois petits cantons du centre suisse, comme ça, de la Suisse dite d'origine, par un serment que trois représentants
des forêts du centre de la Suisse ont passé au début d'août 1291, à la fin du XIIIe siècle. Et puis ça s'est agrandi, et en 1815, c'est-à-dire quand même pas mal de temps plus tard, la Suisse est entrée dans ses frontières qui sont extérieures, qui sont encore les siennes aujourd'hui et qui ont été reconnues par le Congrès de Vienne et qui sont associées à l'idée tout à fait originale de la neutralité perpétuelle. Alors voilà, c'est ces deux contextes très très différents évidemment et ces deux échelles très très différentes. Encore que le Parlement de la Suisse concerne et aussi deux chambres, une chambre des députés, 200, et un Sénat avec 46 sénateurs. Le Brésil, évidemment, étant plus grand, a une chambre des députés supérieure à 500 membres et 81 sénateurs. La superficie du pays du Brésil, elle est 206 fois supérieure à celle de la Suisse. Nous, on se fait vraiment... C'est un timbre-poste sur la carte du monde. La population, elle est 25 fois plus grande que celle de la Suisse, c'est-à-dire que la densité est moindre au Brésil. Et bien que la Suisse, le terrain de la Suisse, un quart environ, soit inutilisable, soit parce que ce sont des lacs, soit parce que ce sont... des Alpes trop hautes où on ne peut rien cultiver, qu'on ne peut pas utiliser ni exploiter. C'est-à-dire que la densité de la population en Suisse est supérieure, environ 8 fois supérieure. Et alors, évidemment, la Suisse a une réputation de richesse et le produit intérieur brut par habitant est dans notre pays, comme vous voyez, largement 10 fois supérieur à celui d'ici. C'est des échelles qui donnent des idées que ce n'est pas transposable. Et pourtant, il y a des questions d'échelle qu'on peut essayer d'enjamber. S'il vous plaît, numéro 2. Là, on descend en dessous de l'État fédéral et on est dans le canton de Vaud pour ce qui est de la Suisse, dont on parlera ici, et dans l'État de São Paulo. Là, évidemment, comme vous voyez, toutes les multiplications sont faites de gauche à droite parce que l'État de São Paulo est plus grand et plus peuplé. La ville de São Paulo, même au sens étroit, est plus peuplée que la Suisse entière. Et puis la densité est évidemment plus grande et en revanche le produit intérieur brut par habitant est encore quand même malgré tout plus favorable à la Suisse. L'histoire, dans le canton de Vaud, le 14 avril 1803, c'est la création du canton. C'est son entrée dans la Confédération. Avant, le canton était en quelque sorte une colonie des cantons déjà existants et elle a été, entre guillemets, libérée par les Français et par Bonaparte. Et elle est entrée dans la Confédération le 14 avril 1803. Cette date va revenir dans l'histoire. Et la constitution actuelle en vigueur, elle est du 14 avril 2003. Vous voyez que c'est la création de cette constitution du bicentenaire que nous allons parler. Et la constitution d'ici est de 1989 d'une série, comme dans une série d'autres États brésiliens après le rétablissement de la République. Le Parlement comporte 150 députés chez nous, dans ce canton, et le gouvernement comporte 7 membres, et il n'y a qu'un président de forme, il n'y a pas de président dominant,
7 membres à majorité féminine déjà depuis quelque temps. Voilà. Voilà un peu les situations, voilà les HL. Et malgré le grand écart constaté, je crois, comme les organisateurs d'ailleurs de cette conférence, que je remercie pour leur diligence, que l'expérience d'une assemblée constituante en Suisse vaut la peine d'être racontée par quelqu'un qui a eu la chance de la vivre de l'intérieur. Il faut savoir que c'est une chance tout à fait exceptionnelle, car en régime démocratique, la révision de la Constitution est une opération importante, significative, qui reste un événement rare, en gros, toutes les 5 ou 6 générations. Donc, il faut être de la bonne génération, au bon moment, au bon, et peut-être aussi en bonne position. Dès le milieu des années 1990, où je vous ai dit que la situation économique et surtout politique était assez dégradée, l'idée de rédiger une constitution pour remplacer celle de 1885 dans le canton de Vaud s'est imposée dans l'opinion et même au gouvernement qui était réputé assez sûr de lui et qui a fait en l'occurrence preuve d'une humilité et d'une lucidité qu'on n'attendait pas forcément de lui. Il faut dire qu'il y avait à l'époque un effet de contagion. Plusieurs cantons avaient déjà révisé leur constitution, datant d'un siècle et plus, et la Confédération elle-même était engagée dans ce qu'elle a pudiquement appelé la mise à jour, pas la révision, pas la réforme, pas la réécriture, la mise à jour de sa charte qui, elle, datait de 1874. Dans l'élan, l'idée s'est imposée de faire écrire la nouvelle constitution non pas par des juristes ou par des parlementaires expérimentés, mais dans toute la mesure du possible, par des gens nouveaux, par des citoyens motivés, par une assemblée ad hoc, élue précisément pour faire ce travail, évaluée d'avance à 3 ans. Il y a eu une campagne électorale dans l'hiver 1998-99. Il s'agissait d'élire 180 personnes. C'était une copie de l'effectif du Parlement d'alors. Il y a eu un peu plus d'un millier de candidats, dont un bon tiers, toutes formations confondues, montrent leur détermination en signant en commun un appel pour une constitution qui est du souffle, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment quelque chose qui soit une charte à la fois organisatrice et stimulante. En clair, un texte motivant. À une exception près, tous les partis qui sentaient la désaffection, voire le mépris dont ils font de plus en plus l'objet, s'ouvrent à des indépendants et certains vont même jusqu'à prendre un nom différent pour l'occasion. Ainsi, mon parti, le Parti socialiste, s'appelle, pour cette affaire de la constituante, s'appelle Forum. Et quant à la plus grande liste, celle qui regroupe des représentants et surtout des représentantes de 27 associations de la société civile, elle s'intitule simplement « Vie associative », une étiquette qui, dans leur esprit, recouvre l'aspiration au bien commun. Résultat de l'élection de février 1999, une assemblée certes pas totalement inattendue, mais comportant un personnel en grande partie renouvelé. Près de 30% de femmes, heureuse de participer à une aventure politique à la fois limitée dans le temps et intensive et en dehors des partis traditionnels dont elle se méfie volontiers. Environ la moitié d'élus de plus de 50 ans qui ont peut-être eu moins de peine que leurs cadets à libérer le temps voulu, important, pour participer aux travaux de la Constituante. Mais je me souviens du fait que la société civile était bien présente dans la salle comme à la tribune. Certains élus ont renoncé tout de suite au vu du programme de travail. Les survivants, entre guillemets, à cette épreuve de lucidité se sont montrés d'une grande assiduité, sauf peut-être ceux qui s'étaient portés candidats pour défendre prioritairement, pour ne pas dire exclusivement, une cause tout à fait importante à leurs yeux. Par exemple, la présence ou non de Dieu ou des églises dans la Constitution, l'autorisation du suicide assisté, la protection des animaux,
la non-discrimination des homosexuels, etc. Les affaires sérieuses démarrent tout de suite. La constituante s'organise d'abord elle-même. Elle nomme 3 coprésidents. Elle nomme 3 coprésidents qui se sont harmonieusement partagés les séances plénières, les mieux élus des 3 principales formations politiques, dont... Non, c'est le dessin. Vous ne l'avez pas ? Ah, d'accord, ok. Alors, c'est bien. C'était une phase rigolote. Alors, tant pis, ma foi, on ne va pas rigoler. C'est une caricature de l'époque qui montre les trois coprésidents élus dans l'ordre de leur élection. J'avais l'honneur d'être la première pour le Parti socialiste, alias Forum, et nous étions assistés tous trois d'un comité. La constituante se donne également un règlement et un programme de travail en dehors de toute réglementation qui, par exemple, concerne le grand Conseil, c'est-à-dire le Parlement cantonal. L'organisation des travaux a été aussi originale. D'abord, apprendre le métier. Après tout, le métier de constitutionnaliste, c'est pas une mince affaire, c'est une grosse responsabilité. Donc, tout le monde se retrouve sur les bancs de l'université, que beaucoup n'avaient pas fréquenté, pour écouter des professeurs de droit constitutionnel, des spécialistes du travail législatif, des connaisseurs de la vie politique, sociale, économique du canton, et à qui ils ont posé des quantités de questions, tous ces experts, qui n'avaient probablement jamais eu un public aussi exigeant et aussi curieux, et qui sortaient passablement fatigués des séances. Ensuite, après avoir appris le métier pendant tout l'été 99, il a fallu travailler un an dans l'une des 6 commissions thématiques de 30 membres chacune, puisqu'il y avait 180 membres. On a fait 6 commissions thématiques en s'appuyant sur une riche documentation provenait et à l'aide d'experts qui se sont révélés très, très patients. Les sujets, évidemment, c'était la place de l'État, les tâches de l'État, les droits sociaux, etc., etc. L'organisation territoriale, très important. Enfin, il fallait apprendre pendant tout ce temps à se confronter au travail des autres commissions, parce qu'après on a réuni tout le monde, et en retenir l'essentiel. Ça a été l'objet de nombreuses séances. Ça a été aussi la possibilité de préparer un premier avant-projet en collant ensemble toutes ces propositions, du moins celles qui étaient retenues de chaque commission par l'Assemblée plénière. Un premier avant-projet, on s'est dit, alors là, maintenant, ça fait une année et demie qu'on travaille entre nous, c'est dangereux. Il faut mettre ça en consultation publique et hop, les textes sont partis, on avait des commentaires, etc. Alors, on s'est dit, bon, est-ce que ça va intéresser les gens et tout ça. On était débordé de courriers, ce n'était pas encore de courriel à l'époque, donc c'était vraiment les gens ont pris la plume, enfin plutôt leur ordinateur, ils ont écrit des lettres, des propositions, des contre-propositions. Plus de 2000 individus, en plus évidemment des centaines de réponses de toutes sortes d'organisations, de corps constitués, de groupes de pression et tout ça. C'était une première consultation très très large, très très large public, et ça a permis de maintenir l'intérêt et de montrer comment cette constituante avançait. Elle ne travaillait pas du tout enfermée sur elle-même. Et alors, reprise du projet, nouvel amaigrissement, on resserre aussi le texte, 2 lectures attentives de ces textes revus, puis une 3e lecture pour trancher les sujets sur lesquels on n'avait pas encore pu s'entendre.
Au total, une nouvelle constitution était née de 170 articles, plus les inévitables dispositions transitoires. Tout ça rédigé en 3 ans de travaux intenses que le site internet des archives de la Constituante résume très sobrement. Voilà. Ils disent oui, ils mettent sur le site des archives, vous voyez, 3 ans de travail. Après, il faut aller voir que ça représente d'avril 99 à mai 2002. Quelques sessions plénières, ils disent, et en fait, ça fait 38 sessions plénières, chaque fois un jour complet. Et puis les commissions thématiques, les fameuses commissions thématiques du début, elles ont tenu, mine de rien, 96 réunions pendant lesquelles elles ont assez durement discuté. Et chacun a des souvenirs, de séances particulièrement tendues dans ces commissions thématiques. Et puis, il y a le rapport du professeur Mahon. C'est juste un petit opuscule de 300 pages, bien détaillé, bien analysé, et qui nous ont permis ensuite vraiment de réaliser, en se retournant là, sur ce qu'on avait fait. Et c'était, ma foi, absolument défendable. Et tout ça s'est déroulé dans un climat de travail immense, tout ça là. Parce qu'en plus de ça, il fallait évidemment lire les choses à la maison entre deux, bien sûr, c'est clair. Préparer les séances et tout. Enfin, les présidents, en tout cas, on sait ce qu'on a fait. Et puis, un travail immense accompli, alors je dois dire, c'était vraiment remarquable, émouvant, dans un climat de ce que j'appellerais du sérieux amical. Car les constituants se sont presque aimés, en tout cas ils sont devenus des amis, par-dessus les différences d'opinion. Et ils sont partis à la découverte de leur canton en même temps que de leur importante mission. Les commissions thématiques ont circulé dans le canton à l'invitation de leur président et de leur vice-président, qui étaient de tous autres membres, qui étaient tout fiers d'amener dans leur commune et de présenter leur commune à leurs collègues de commission. Et puis l'assemblée plénière, qui n'était pas facile à déplacer, 180 personnes, plus une bonne vingtaine d'accompagnants obligés. L'Assemblée plénière s'est déplacée à plusieurs reprises, tout d'abord pour son intronisation qu'elle a choisi de faire dans l'abbatiale de Payerne, qui est une église abbatiale construite dans la seconde moitié du XIe siècle, un édifice roman de première importance en Suisse. Et pour l'atteindre, la plupart des constituants ont dû faire plus de 50 km, ce qui est, chez nous, une distance tout à fait respectable dans la petite Suisse. Tout ça pour une cérémonie dans ce bâtiment magnifique, une cérémonie très solennelle et digne, et aussi amusante, parce qu'il y avait du jazz, etc. Bon. Puis, elle a connu l'Assemblée plénière, toutes sortes de locaux qui ayant la capacité d'accueil voulue, des salles communales, des cinémas, des auditoires et bâtiments scolaires, des restaurants d'entreprise. Enfin, on a comme ça circulé dans le canton, on a découvert beaucoup de choses. Et il y a même eu des coïncidences étonnantes, dont la plus mémorable reste dans mon souvenir, celle qui a eu lieu au grand auditoire de la maternité de l'hôpital cantonal. L'Assemblée discutait en seconde lecture de l'assurance maternité, a instituée dans le canton jusqu'à ce que la Confédération qu'il avait promise en 1945 veuille bien honorer sa promesse. Donc c'était un geste qui tendait à faire réveiller la Confédération de ses obligations. Et le vote a été régulièrement dans une aula bien équipée à Lausanne,
où le Parlement cantonal tenait lui-même séance après l'incendie de sa salle traditionnelle qui était très inconfortable. Bien entendu, et ça c'est très très important, je ne dirais pas que si vous faites une constituante, il faut nous copier exactement avec des caipirinhas, mais enfin, c'est l'habitude en terre vaudoise, dans le canton de Vaud, qui produit d'excellents vins, que la quasi-totalité des séances se termine par ce que nous appelons une verrée de détente, de conciliation, de réconciliation souvent, après les luttes verbales assez vives de la journée. Ces dégustations debout, enfin, parce qu'on est assis tout le temps, ces dégustations debout, verre de blanc ou de rouge à la main, avec fromage et charcuterie du terroir, jouent un rôle absolument déterminant dans la vie politique, sociale et culturelle du canton de Vaud, et je dirais même que c'est un élément déterminant pour tout simplement la cohésion populaire. La procédure choisie par la constituante, procédure assez originale et pas très, à la fois bien organisée, mais pas vraiment formaliste, a permis des avancées significatives sur les questions les plus sensibles. Et là, il faut dire que la constituante a fait un coup d'audace. Au début, moi qui avais une petite expérience parlementaire fédérale, je me suis dit, oulala, la constituante, dès le début, avant même d'attaquer ses travaux thématiques, elle a dit, bon voilà, on va, il y a des points sensibles dans l'actualité, on va d'abord s'en occuper. On va d'abord s'occuper de l'organisation territoriale et de la réduction du nombre de communes, enfin de la concentration, du renforcement, de l'efficacité du travail de l'État et de ses communes. Et puis, on va aussi un peu concentrer tout ça, on va diminuer le nombre des districts et tout. Et puis, on va développer les droits et les buts sociaux dans toutes les limites que nous permettent le droit fédéral. Et puis, il faut discuter des droits politiques à accorder aux étrangers, qui représentent un tiers de la population du canton. Et puis, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on va faire avec l'Église. L'Église protestante est une Église d'État. Que faire des autres confessions, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas séparer tout le monde? Enfin, bon. Et puis, il faut simplifier un peu les procédures. Tout le temps des élections, 4 ans, tous les 4 ans des élections fédérales, tous les 4 ans des élections communales. Non, allez, les élections cantonales et communales, tous les 5 ans. Et donc, on a allongé la période des législatures, ce qui permet d'ailleurs aux différents gouvernements et parlements de développer une politique un peu plus sereinement qu'avoir tout le temps des échéances électorales parce que l'année après les élections, on s'organise. La deuxième année, on essaye de faire quelque chose. La troisième année, on regarde déjà un peu ce qu'on a pu faire. Et puis la quatrième année, on dit qu'on a fait ci ou ça, mais même si on ne l'a pas fait. Voilà, sur 5 ans, la suite a démontré que ça allait nettement mieux et plus tranquillement. Je passe sur d'autres changements, mais enfin, tout de même, le droit de vote accordé aux étrangers, donc qui n'ont pas le passeport suisse, ça a été une chose extrêmement importante, parce que le droit de vote et d'éligibilité accordé aux personnes de nationalité étrangère résidant depuis plus de 10 ans sur le territoire suisse, depuis au moins 10 ans sur le territoire suisse et au moins 3 ans sur le territoire cantonal. Et il y a eu, dès les élections suivantes, il y a eu des élus étrangers, tant dans les conseils communaux, c'est-à-dire les parlements locaux, que dans les municipalités, c'est-à-dire le gouvernement des communes, les exécutifs communaux.
exemples de choses qui ont... Toute la question de la séparation de l'Église, de l'État, de la reconnaissance d'utilité publique de la communauté catholique en particulier, qui était interdite d'activité publique et surtout de sonnerie de cloches jusque tout récemment. Hein, c'était vraiment des réformés purs et durs, les Vaudois, sous l'influence des Bernois qui leur avaient permis de chasser les Savoyards. Enfin, vous voyez, c'est une chaîne comme ça. Et donc, ça s'est finalement assez bien passé, mais ce dernier sujet était un peu délicat. Là-dessus, approbation populaire, votation populaire sur le nouveau texte de constitution. On a fait des séances d'explication et on a émis des petits bulletins. On a recueilli des tas d'avis. Vous auriez dû, mais non, mais pourquoi, mais enfin, qu'est-ce que vous n'avez pas pensé à ça, etc. Enfin bon. Mais enfin, l'approbation a été massive quand même. C'était en septembre 2002, si bien que. L'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution a pu avoir lieu le 200e anniversaire, c'est-à-dire, comme prévu, le 14 avril 2003. Encore deux, trois petites remarques finales qui sont aussi un peu des suisseries, hein, je veux dire, mais c'est pour dire que la Constituante a pensé à des choses que peut-être d'autres oublient et pour lesquels on leur fait des reproches. Nous avons tenu le budget. Oh, ça, c'est sacré en Suisse. Hein. Tenir le budget, c'est sacré. Il ne faut pas dépasser, etc. Il n'y a pas eu de supplément. Les gens ont pris passablement, et c'est vrai, de frais de déplacement et autres à leur propre charge, à titre de contribution personnelle au succès d'une entreprise qu'ils ont aimée, et dont ils parlent tous encore aujourd'hui avec chaleur. Il y a comme une sorte, d'ailleurs, elle était surnommée la mafia de la Constituante, les anciens membres de la Constituante qui ont, encore maintenant, ils sont partout dans les entreprises, dans la politique, dans les organisations associatives, et ainsi de suite. Ah oui, je l'ai connu à la Constituante. Ah oui, il était à la Constituante. Bon, voilà. Mais c'est pas fini. La Constituante a, sa sagesse intuitive, elle a eu la prudence de réclamer un programme de mise en œuvre avec délai fixé au gouvernement pour rapporter sur les progrès accomplis. Ce qu'il a fait ponctuellement, on lui avait donné 5 ans, 2 fois 5 ans, en 2008 et en 2013. Cette année-là, en 2013, paraissait le livre, c'était son rapport pour 2013, le livre intitulé « 10 ans plus tard », dans lequel le gouvernement faisait le point, en fait le point final, et montrait que les termes de son mandat avaient été en tout point respectés. Bien sûr, il y a eu aussi, dans l'intervalle depuis 2003, il y a eu des modifications dues à des questions inconnues plus tôt, mais la Constituante a produit des résultats solides et qui, on le sent bien, maintenant sont parfaitement en mesure de soutenir, et d'ailleurs le canton remonte très bien, c'est pas seulement pour ça, mais aussi, de tenir le coup longuement. Et puis, les cantons, preuve supplémentaire que c'était pas un travail pour rien, les cantons les plus réticents à réviser leur Constitution, nous n'avons pas été les premiers, mais il y en a qui sont venus bien après nous, ont été convaincus. Même Genève, il y a toujours une petite rivalité entre Genève et Vaud, les deux sont sur le bord du lac Léman que les Américains, les Anglais et les autres appellent le lac de Genève, ce que nous n'aimons pas, bien sûr. Eh bien, les cantons... Genève a fait l'exercice, mais alors lui a grand frère. Genève, ça coûte toujours très cher, mais comme ils ont les moyens, ils peuvent bien... Et ils ont fait l'exercice à grands frais et on annonce ces jours, mais tout récemment, hein, ça fait moins d'une semaine, que le Valais, c'est un canton alpin, c'est lui qui a les sources du Rhône, un canton alpin qui est relativement fermé aux idées venues d'ailleurs, qui ne peuvent être qu'inférieures aux leurs,
se prépare à son tour à faire sa lessive constitutionnelle, si je puis dire. Je termine par là où j'ai commencé. Le canton du Valais, je le précise, connaît en ce moment pas mal de difficultés et de revers depuis quelques années. Il a donc lui aussi, désormais, comme le canton de Vaud, comme l'aurait le Brésil, de très bonnes raisons de se lancer dans un exercice qui a des effets salutaires. Merci. Eu vou abusar da prerrogativa de estar moderando o debate para dar o pontapé inicial e para que as pessoas se animem em seguida para fazer perguntas. Eu peço que as pessoas, ao fazerem perguntas, se identifiquem e façam perguntas concisas. Eu vou dar início ao debate com uma pergunta minha. Can I speak in Portuguese or we? You can have simultaneous translation if you want. Si. Oui. Bom, muito bem. No Brasil, há, como você deve saber, como a senhora deve saber, um enorme descrédito em relação aos partidos políticos e aos políticos profissionais. Uma das características do processo que levou à Assembleia Constituinte no Cantão de Vaud foi a possibilidade de candidaturas não vinculadas a partidos. A senhora mencionou uma lista cívica que elegeu um certo número de representantes na Assembleia Constituinte. A senhora disse também que os partidos se abriram a candidatos exteriores, que não eram das suas fileiras partidárias. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação de como é que foi esse processo, digamos, de renovação da representação política mais aberta a candidatos não filiados aos partidos. Se isso teve um efeito positivo no processo da Constituição, da elaboração da Constituição, se isso gerou frutos no longo prazo, né, em termos de renovação da elite política no cantão de Vaud. Ça, c'est évidemment à la fois... C'est probablement un très grand problème ici. Mais quand il y a beaucoup de partis, je crois qu'il y en a une trentaine approximativement au Brésil, quand il y a beaucoup de partis, c'est comme s'il n'y en avait plus. D'abord, les gens vont de l'un... En Suisse et en Europe, de manière générale, quand vous abandonnez votre famille politique, vous n'allez pas ailleurs. Voilà. Moi, je plains toujours les gens qui démissionnent de leur parti parce que je me dis, voilà, ils se sont rendus orphelins. Bon, c'est leur affaire. Mais c'est tragique. C'est tragique d'avoir ça. Tandis qu'ici, évidemment, avec 30, on est tout le temps dans l'antichambre du suivant. Et on a tellement l'habitude de penser que les gens doivent porter une étiquette. Mais c'est justement ça qui a fait que le travail a été plus libre. C'est que les étiquettes, elles existaient encore. Il y en a, la plupart étaient sur leur propre nom et c'était mis, mettons, parti radical et indépendant. Tout le monde a accueilli des gens qui n'étaient pas inscrits et qui, après, ne sont pas revenus, hein, mais qui se sentaient relativement proches. Mais voilà, mais surtout chez les femmes, en tout cas chez nous, il y a une certaine colère à l'égard des partis qui ont
et qui encore aujourd'hui sont contre les quotas ou refusent, certains d'entre eux refusent les avancées, ont refusé le nouveau droit matrimonial, enfin toutes sortes de choses. Je rappelle qu'en Suisse, la Suisse a été un des derniers pays à introduire le suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote des femmes, en 1971. Hein, c'est tout récent. Bon, quand on dit, c'était en 59 par une très très grande habileté, très grande invention dans la campagne, mais ça c'est une autre affaire. Donc ici il n'y a pas d'attachement au parti. Alors c'est comme si, à mon avis, c'est comme si on avait point quand il y en a 30 et puis que les gens circulent de l'un à l'autre. Donc il faut absolument, il faut rénover ça. Si on reste dans cette logique, c'est vrai que c'est. En plus, il y a le régionalisme qui joue un rôle. Évidemment, les gens se font élire pour défendre à Brasilia les causes et les ressources de leur État. C'est normal, mais à ce point-là, c'est un peu grave. C'est l'intérêt général qui voilà. Alors. Il faut vraiment, il faut sortir. Et c'est clair que cette constituante, il y avait beaucoup de gens dans les tribunes. Hein. On était sous le regard des gens. Et ils applaudissaient, ils manifestaient, etc. Enfin bref, il y en a qui sifflaient. C'était une sorte de spectacle, mais en même temps, pour nous, c'était un contrôle, c'était un rappel de nos responsabilités. Et vraiment, ça a été une expérience absolument, absolument fascinante et que je souhaite à toutes les unités et les entités politiques de pouvoir connaître. Mais alors, le poids de l'existant, il faut sortir, se détacher. Alors, on peut le faire en rêve, mais par exemple, ici, on pourrait imaginer que les gens en ont tellement assez de tout ce fatras que peut-être ils voudront vraiment qu'on fasse autrement, autre chose, la politique autrement. Me chamo Carlos Tadeu, sou cientista político. Scientiste politique. Je peux parler un peu en français. Je voulais vous entendre à propos de deux points, puisque vous parlez ici de constitution et de participation populaire. Au Brésil, nous avons une constitution qui n'a même pas 30 ans. Elle a institué des mécanismes de participation, les référendums et les plébiscites. On n'a fait que deux fois au niveau national. Et en plus, maintenant, on est en train de modifier la Constitution par des modifications. Le Congrès, avec un quorum qualifié, modifie la Constitution. Je voulais vous entendre à propos de ça. C'est-à-dire, comment vous avez résolu ça en Suisse ? Il y a eu certainement des moments où vous aviez des inégalités très fortes. Comment vous avez résolu, c'est-à-dire comment la politique a fait qu'on demande le peuple, qu'on demande l'opinion par des référendums et qu'en même temps, on ne modifie pas si souvent la Constitution. C'est-à-dire, nous n'avons pas trouvé ce secret-là. Oui, l'autre jour, j'ai été frappée quand même de voir qu'en ce moment est en vente la 84e édition de la Constitution brésilienne. 84e édition d'une Constitution de 1989. Ça fait quand même beaucoup, hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de révisions, d'adaptations, de dispositions transitoires qui sont par définition d'une efficacité, enfin disons d'une
d'une vigueur, en vigueur pour un moment seulement, dans un cas précis, etc. Non. Évidemment, nous avons en Suisse peut-être ce système de la démocratie semi-directe qui veut que le peuple entretient au niveau fédéral, comme au niveau cantonal, comme désormais aussi dans le canton de Vaud au niveau communal, un rapport tout à fait particulier à tout ce qui est charte fondamentale. C'est-à-dire que les citoyens suisses peuvent, il y en a 3 200 000 à peu près qui sont inscrits, non, de citoyens suisses. Il suffit de 100 000 signatures pour proposer un article constitutionnel dans la Constitution fédérale. Pour un article dans la Constitution cantonale, il y a à peu près 350 000 citoyens, il suffit d'avoir 12 000 signatures. Pour le niveau local, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais pour proposer un règlement local, il y a à Lausanne environ 68 000, 70 000 citoyens qui ont le droit de vote. Il suffit de 6 000 voix, 6 000 signatures. C'est-à-dire que c'est très facile de faire une proposition, c'est très facile d'avoir, en quelque sorte, d'être l'auteur d'un article constitutionnel. En moyenne, chaque année, ces dernières années, ça n'a fait que monter, chaque année, au plan fédéral, sont déposés entre 10 et 15 fois 100 000, 150 000, 200 000 signatures pour celles qui marchent bien. Ah oui, parce que 100 000 signatures, c'est en 18 mois. Alors, il faut vraiment être un peu bête pour ne pas y arriver, hein. Et donc, mais bon, il faut se bouger, hein, parce que c'est, on peut pas le faire par Internet. Hein, donc, il faut aller, il faut remplir des papiers dans les stands, il faut porte à porte, par correspondance. Bon, mais enfin, c'est facile, c'est facile. Et alors, il y a des choses qui sont complètement nuisibles, des choses qui sont complètement fantasques. Et puis, il y a des choses qui aboutissent. Et puis, après, qui aboutissent. Alors après, ça va au Parlement. Enfin, d'abord, le gouvernement se prononce. Ensuite, le Parlement discute. Et, alors, il y a la recommandation du gouvernement. Le Parlement fait ce qu'il veut. Les deux chambres doivent être d'accord. Elles demandent le rejet ou l'approbation. Ou elles envoient un contre-projet dans les jambes du projet. Enfin, il y a toutes les procédures. C'est un des gros... C'est à l'ordre du jour de toutes les sessions parlementaires fédérales d'avoir au moins 3 ou 4 initiatives sur le feu. Il y en a qui nous rendent ridicules aux yeux du monde. L'interdiction des minarets, par exemple, qui a été adoptée. Il y en a une autre qui est actuellement pendante, c'est l'interdiction de supprimer les cornes des vaches. Ce qui se fait couramment. Il y a de tout. Hein. Mais c'est pour dire que les gens ont l'habitude d'intervenir au plus haut niveau. Hein. Donc, ils ont un rapport absolument décomplexé hein, à la Constitution. C'est pour ça que c'est presque un peu leur affaire. Hein. Notamment dans les milieux de protection des animaux, protection de l'environnement, protection, le climat, énergie, transport, tout ce que vous pouvez imaginer, éducation, etc. Il y a continuellement, pour l'éducation et la santé au plan cantonal, pour les autres sujets, généralement plutôt au plan fédéral, il y a toutes sortes de sujets d'initiatives possibles. Et puis, il y a l'autre instrument de la démocratie semi-directe, qui est un mécanisme de contrôle populaire très, très ferme aussi, très, très sévère. On dit souvent méchamment que les parlementaires, par exemple les parlementaires fédéraux, sont des chiens que le peuple tient en laisse. C'est-à-dire que... mais en laisse courte. Hein, parce que chaque loi que le Parlement vote... Il faut que les deux chambres soient d'accord à la virgule près. C'est pas qu'il y ait une chambre qui domine l'autre. Et quand elles ont fait la votation finale et qu'elles sont d'accord pour dire oui ou pour dire non, après, le peuple peut récolter les signatures
et dire, mais nous, on veut dire aussi notre avis là-dessus. On n'est pas d'accord avec ce que vous avez. Vous avez refusé cette loi, nous, on voudrait l'accepter. Vous avez accepté cette loi, nous, on ne l'accepte pas. Et là, il suffit de 60 000 signatures. 60 000 signatures, un peu plus court, en une année. Donc, on a toutes sortes de votations, ça s'appelle des votations référendaires. Moyennant quoi, si vous ajoutez les initiatives, les référendums, plus les modifications de la Constitution qui exigent la double majorité du peuple et des cantons qui sont proposées par le Parlement, au plan seulement fédéral, le peuple suisse est appelé 4 fois par an aux urnes. Le premier week-end de mars, le deuxième de juin, le troisième de septembre et le dernier de novembre. Et ça, c'est, vous pouvez consulter les sites, hein, c'est le programme actuellement des votations, l'horaire des votations, il est donné jusqu'en 1937, j'ai vu. Donc on sait exactement que le 28 novembre 2037, on votera sur je sais pas quoi de fédéral. Alors c'est un boulot d'être citoyen, hein, parce que alors la participation évidemment elle est basse, hein, parce que ça meut une partie de la population, une autre partie, etc. Il y a fini toujours par y avoir à peu près une participation de l'ordre de 40 à 60%. C'est pas les mêmes, c'est pas la même chose. Ensuite de ça, pour compliquer les jeux, c'est pas les mêmes sujets qui intéressent toute la Suisse. La Suisse alémanique a souvent d'autres préoccupations que la Suisse latine. Il y a 4 langues nationales en Suisse, 62% l'allemand, enfin, en zone à dominante allemande, mais parle pas forcément l'allemand, et puis à peu près 22% français, à peu près 8 à 9% italien et à peu près 1% un mélange d'italien et d'allemand. C'est le romanche. Et ces 4 langues-là, et ces 4 régions linguistiques et culturelles ont souvent des avis différents sur les choses. Alors, ça bascule. Évidemment, souvent, et le plus souvent, c'est la Suisse alémanique qui domine les latins. Mais au latin s'ajoutent les balois, toujours, qui votent comme les latins, une bonne partie des bernois aussi. Donc, ce n'est pas si déséquilibré que ça. Et puis, ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Mais il y a toutes sortes de choses qui interfèrent, si bien que c'est souvent des loteries assez, assez délicates. Et il y a énormément de choses qui passent à une majorité positive ou négative de 52 à 53%. Ça, c'est pratiquement les sujets importants qui passent à plus de 60%. C'est rarissime. C'est carrément un plébiscite chez nous. Pour compléter la question de monsieur, peut-être qu'il serait intéressant que tu parles de l'apprentissage de la citoyenneté sur le plan local, son rôle, et aussi sa capacité intégrative sur le plan politique. Oui, c'est vrai que la Suisse a souvent une mentalité, contrairement par exemple à nos voisins français et aussi allemands, surtout contrairement aux Français, la Suisse a une mentalité, les Français c'est top-down, c'est tout vient de Paris, etc. Et nous, surtout pas Berne. Donc ça monte et au plan... L'apprentissage de la politique se fait au plan local. Au plan local, il y a des parlements de jeunes. Il y en a aussi au plan fédéral. Donc, des parlements qui réunissent des jeunes de 14 à 12 à 18 ans. Mais il y a des parlements de jeunes et des assemblées de jeunes dans les villages, dans les villes surtout.
qui siègent dans, le, dans la même salle que le conseil communal, que le parlement local. Et en fait, aussi à l'école, il y a des votations à tout moment à l'école. On apprend à voter. On est à du temps où il y avait des bureaux de vote, où on votait pas par correspondance comme aujourd'hui. On organisait toujours des petits bureaux de vote. Et on élisait le comité de classe, etc., avec des listes, des concurrents, tout ça. Enfin, on apprend tout ça à faire. Et c'est vraiment bottom-up. Et ça aussi, donc on se méfie un peu de ce qu'ils ne vont pas encore inventer, des nouveaux impôts, etc. Enfin, bref, mais les Suisses sont de braves contribuables. Ils ne sont pas tellement aussi anti-impôts que, par exemple, les Américains, c'est clair. Mais y a toujours cette idée d'une contrepartie, et c'est une idée de participation. Alors, évidemment, aujourd'hui, le grand thème, c'est la participation à la vie civique, civile et, comment dire, spatiale, urbaine. Les villes sont des lieux dans lesquels les habitants revendiquent, à juste titre, des droits, la parole, de donner leur avis. Et c'est, pour les administrations, ça devient une spécialité. C'est, par exemple, expliquer pourquoi certains arbres doivent être abattus, ils seront remplacés d'une autre façon, etc. Enfin bon, tout le monde compte. On n'est plus à s'attacher aux arbres, mais quand même, voilà. Alors il y a des oppositions. Enfin bref, mais tout ça, c'est un combat, c'est un apprentissage de la discussion, du débat. Et pratiquement l'impossibilité, c'est l'impossibilité pour un gouvernement, quel qu'il soit, fédéral, cantonal, communal, pour un pouvoir exécutif, c'est l'impossibilité d'aller contre je dirais pas contre une majorité populaire, contre une forte minorité populaire. Et donc, ça signifie que les élus font très attention. Les élus font très attention. Et les tribunes du public, dans tous les cantons, je ne parle pas de Berne, il faut s'inscrire 3 sessions à l'avance, dans les cantons, dans les communes où les législatives siègent le soir, enfin les réglementaires siègent le soir, il y a du monde. C'est retransmis à la radio locale, c'est retransmis à la télévision locale. Les débats des chambres fédérales sont sur tous les écrans. Il y a la traduction, tout ce que vous voulez, tout l'appareil. Avec Internet, maintenant, vous pouvez suivre absolument tout ce qui se passe dans n'importe quel canton, dans n'importe, évidemment, aux chambres fédérales en permanence. C'est magnifique. Et les gens se sentent sous contrôle. Et c'est. Moi, j'ai, comme parlementaire fédéral, je savais très très bien que là, il y a une ligne rouge. Je peux la franchir, mais je dois expliquer pourquoi. Et je dois convaincre. Et c'est tout un travail de... C'est tout un travail de discussion, de débat. Mais si on est là-bas, à Brasilia, en train de faire je ne sais quelle combine, évidemment, on n'a pas le temps pour le peuple. Ça, c'est... Et puis les grandes distances et tout ça, c'est compliqué. Mais le pouvoir local, ça, c'est une échelle où les choses, beaucoup de choses peuvent se passer. Et actuellement, c'est une échelle qui est revalorisée. Pas seulement les métropoles, pas seulement les villes-centres, mais aussi les bourgades, aussi les villes moyennes. Et je dois dire que c'est... Je trouve ça très sain pour l'exercice et la pratique de la démocratie. Vraiment, très bien. Je m'appelle Muriel Waldman. Et j'ai bien compris que la participation à toutes les étapes de la vie politique en Suisse est assez généralisée. Je suis juste curieuse de savoir, est-ce que le vote pour les représentants au Parlement, est-ce que le vote est obligatoire ou est-ce qu'il n'a pas besoin de l'être ?
Ah non, bien sûr que non, qui n'est pas obligatoire, puisqu'il y a, encore une fois, une participation de l'ordre de 40 à 50 % le plus souvent. Des fois, ça dépasse la moitié pour les grands sujets, avec forte capacité affective, disons, tout ce qui concerne notamment le statut des immigrés. Il n'y a pas d'obligation de vote, à aucun niveau. Mais évidemment, vous entendez couramment ce dialogue. Le type qui dit « Ouais, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Mais tout, ah, c'est tout faux, et tout ça. » Enfin, bref. Et puis, t'as voté aux élections ? Ah non, j'ai pas le temps. Bon, ben. Alors, ça, c'est malheureux. C'est un peu facile, mais... Hein ? Qui ne dit mot consent, théoriquement ? Alors, il y a un peu ce problème. Et puis, il y a le problème que plus on descend dans le niveau de formation, plus l'intérêt pour la vie publique est là. Un problème personnel suffisant à résoudre. Bon. Ceci dit, on a la chance d'avoir en Suisse un système de formation professionnelle assez efficace, qui fait que les personnes qui ont une formation professionnelle, quelle qu'elle soit, ont en même temps des cours dans leur formation professionnelle, ont toujours des cours d'économie et de politique, et sont généralement des gens, en tout cas pour tout ce qui concerne leur univers professionnel, assez bien informé. Boa noite, eu sou o Felipe, tudo bem? A pergunta é: qual foi a principal virtude da Constituição na Suíça? De la Constitution fédérale, la principale vertu c'est bien sûr d'exister, mais c'est aussi de faire exister ce collage très, très bizarre qu'est la Suisse. Sur un petit espace comme ça, 41 000 kilomètres carrés, faire coexister 4 langues nationales et faire coexister des populations dont la moitié sont en Suisse depuis moins de 20 ans, ou moins de 30 ans. Faire coexister des gens qui ont fait des études, ce qui est encore une proportion relativement réduite en Suisse par rapport aux pays voisins, par rapport à la France en particulier, et à l'Italie. Faire coexister la ville et la campagne. Il y a un sentiment anti-urbain qui se tasse un peu maintenant, mais qui est viscéral en Suisse. Aussi un sentiment des villes anti-montagne et des montagnes anti-villes. Enfin, il y a plein de choses qui sont des désaccords profonds, assez viscéraux, pour ne rien dire des conflits religieux. La Suisse a connu une seule guerre civile qui a duré 2 jours et qui a fait un mort, et qui était une guerre des catholiques conservateurs contre les réformés, enfin les protestants progressistes, enfin, réputés tels. Voilà, c'est donc les différences religieuses, elles sont là aussi, hein. Et par exemple, les cantons catholiques sont les derniers à faire une nouvelle constitution. C'est très clair. Voilà. Mais tout ça coexiste sur un petit territoire incroyable. Hein. Je veux dire que il y a à Zurich, il y a plus de gens qui parlent
comme langue maternelle le turc que le français. Voilà, il se trouve que le dialecte ou les dialectes suisse-alémaniques en général sont d'une prononciation qui est facile à apprendre, plus facile à apprendre effectivement pour un turc que pour un francophone. Et là, il y a, je veux dire, voilà, c'est ça la Suisse. Hein. Et il y a actuellement, bon, l'armée suisse c'est beaucoup réduite. La Suisse est neutre depuis 1815, mais elle entretient toujours une armée qui reste bien tranquille chez elle, comme ça, et qui fait une, actuellement surtout une couverture de du territoire aérien, mais attention, pas aux heures des repas. Là, il n'y a pas d'avion suisse militaire en vol. Bon. C'est comme ça. Hein. Et, on est comme ça, enfermé dans notre petit monde qui est un peu spécial. Et actuellement, l'armée suisse, beaucoup, dont les effectifs ont été beaucoup réduits, est composé pour un petit tiers de personnes, hommes et femmes, au visage bien noir, bien vietnamien, bien oriental, de manière générale. C'est très amusant. Je veux dire que c'est une volonté de leur part de s'intégrer, évidemment, d'être volontaire et tout ça. Il y a une capacité de d'accueil, d'absorption et j'allais dire de presque d'infiltration de la de ces mentalités un peu rigides, sévères, traditionnalistes suisses. Les Suisses sont ce que j'appelle toujours des éponges repoussantes, c'est-à-dire que d'une part elles attirent et puis en même temps elles disent bon ben soyez éponge vous-même, hein, sinon je ne sais pas ce que ça va donner. C'est très intéressant et ça tient. Hein. Donc il y a une capacité de vivre ensemble avec toutes sortes de difficultés. Il ne faut pas faire de l'angélisme. Hein. Mais l'un dans l'autre, ça marche. Il faut dire aussi qu'il y a peu de chômage et que dès que ça monte, le chômage devient grave, c'est-à-dire à partir de 3%. Alors on dit, oui, c'est les étrangers qui nous volent les places, etc. Enfin, le plombier polonais, tout ça. Si vous me permettez, posso. Tem uma pergunta. Aqui tem mais, então eu ia fazer uma pergunta minha, mas certamente vocês têm preferência. Boa noite, eu sou Priscila, sou profissional de Relações Públicas. A senhora já respondeu um pouco, também está sendo uma honra ouvi-la e é quase que um sonho, né, para a nossa realidade brasileira. Mas a minha pergunta é como vocês lidam com a desigualdade, seja ela social, de gênero e racial? E se houvesse um conselho para diminuir a nossa realidade aqui no Brasil, qual seria? Est-ce que je pouvais ajouter une question que diz respeito ao direito de voto e de nacionalidade na Suíça? Porque, olhando de fora, parece bastante, digamos, a legislação é muito restritiva para adquirir a nacionalidade suíça. Recentemente, houve um plebiscito que impediu que filhos de estrangeiros nascidos na Suíça adquirissem a cidadania suíça.
E imagino que isto se reflita nos direitos políticos. São cidadãos, presumo eu, de segunda classe. Então, digamos, há muita participação política, mas parece haver também bastante restrição, digamos, à entrada na nacionalidade, portanto, ao exercício pleno dos direitos políticos, tal como eu, modestamente, vejo de longe. Il y a plusieurs problèmes dans ce qui a été demandé, des problèmes politiques, des problèmes sociaux essentiellement. Alors, pour revenir d'abord à la question des inégalités, alors, je crois là que la Suisse, qui est toujours en train de compter son argent, etc., a compris une chose très, très importante, c'est que les réglementations et les compensations uniformes, avec des limites au-dessus ou en-dessous, etc., provoquent des effets de seuil tragiques. C'est la gauche l'a beaucoup expliqué et maintenant l'a pu le faire comprendre. C'est-à-dire que si vous dites, à partir de... Vous fixez un revenu minimum, vous fixez une compensation de participation au loyer, participation à l'assurance maladie, etc., qui est encore très, très coûteuse, enfin, qui est aussi très, très, très coûteuse chez nous, vous êtes toujours juste au-dessus de la limite. Alors, si vous êtes juste au-dessus, entre guillemets, tant mieux pour vous. Mais tant pis, parce qu'en même temps, vous n'avez pas droit à la compensation. Et ainsi donc, on a essayé de raffiner le système et de combattre les inégalités sociales, scolaires, etc., en chassant systématiquement tout ce qui pouvait faire effet de seuil. C'est-à-dire que on a inventé une espèce de ligne sinueuse. Et il y a toujours, alors théoriquement elle n'a pas le droit, ou théoriquement elle a le droit, mais ce qu'elle a le droit ou pas le droit à une compensation, à une aide, etc., c'est une considération. Après, il vient l'appréciation qualitative. Alors ça prend énormément de temps, ça coûte beaucoup d'argent, c'est tout. La droite dit que l'aide sociale explose, etc. C'est vrai, ça représente une part rapidement croissante des budgets publics, notamment cantonaux, et dans les villes, beaucoup moins, bien sûr, au niveau confédéral. Mais combattre les inégalités, elles se font par ces questions de sinuosité matérielle, d'une part, et puis l'appréciation qualitative aussi pour les cas. Par exemple, on a dû faire longtemps la chasse aux enfants clandestins, c'est-à-dire que les gens cachaient pour pas les ils les envoyaient pas à l'école pour pas devoir les déclarer. Ou après pour venir les prendre pour je ne sais quel mariage forcé, enfin ces choses-là. C'est absolument tolérance zéro. Et là, ils savent que s'ils font quelque chose comme ça, ça va d'abord se savoir, ça sera dénoncé, enfin, tout se sait. Hein. Même de gens qui, à titre volontaire ou rémunéré, ont ce travail d'intégration en responsabilité, qui est une lutte jamais gagnée définitivement, toujours à renouveler, contre l'inégalité sociale et civile, je dirais. Actuellement, les publications qui intéressent tout le monde, les questions d'assurance maladie, les questions de loyer, les questions de bonnes adresses, etc., etc., en ville de Lausanne, sont publiées en 42 langues. 42 langues. Ben oui, parce qu'il faut atteindre les gens dans leur langue.
Alors évidemment, c'est plus facile d'apprendre le français quand on sait sa propre langue et qu'on sait l'écrire et qu'on sait la parler correctement. Mais pour éviter les malentendus, c'est comme ça qu'on est obligé de faire désormais. Alors maintenant, pour revenir au problème plus général des droits politiques. Alors ça a été longue affaire. Je vous ai parlé du droit de vote des étrangers, du droit d'éligibilité. Alors personnellement, j'ai un avis tout à fait franché sur la question, ou bien on est citoyen, ou bien on ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on a le droit de vote et le droit d'être élu. Alors ça peut être horizontal, c'est-à-dire au niveau de la proximité de la commune, ou bien ça peut être vertical, et quand on dit vertical, c'est droit de vote, par exemple au plan cantonal, mais pas le droit d'être élu. Alors moi, je trouve que ça, c'est des citoyens à moitié, c'est pas bien. Alors je préfère, par exemple, on s'est beaucoup disputé à la Constituante sur ce sujet, je préfère que quelqu'un puisse être élu à la municipalité, d'ailleurs, à la municipalité de Lausanne, il y a depuis assez longtemps, 4 deuxième génération. Et au gouvernement cantonal, il y en a 3. Donc, je veux dire, c'est normal, il faut ça entre dans le circuit, ça fait des idées nouvelles, du mouvement, bon. Alors, il n'y a pas de naturalisation automatique en Suisse. Jamais, il n'y a jamais eu ça. Ça a toujours été très cher, j'entends en termes de procédure, etc. Il faut déjà être longtemps. Il faut être. Maintenant, ça s'est un peu assoupli, mais il faut être depuis. Avant, il fallait être depuis 12 ans. Les années de scolarité comptent en double. Enfin, il fallait déjà avoir fait la preuve d'être quasiment à toutes les fêtes nationales du 1er août, enfin, des choses comme ça, enfin, savoir faire la fondue, toutes ces combines. Hein. Bon. Mais maintenant, ça s'est un peu amélioré. Enfin, récemment, on a voté, le peuple suisse a voté un article constitutionnel qui autorise la naturalisation automatique de la troisième génération. Troisième. La deuxième, ça va être la prochaine. C'est la prochaine. Bon, évidemment, le lundi, le lendemain du dimanche, on vote sur le dimanche chez nous. Le lundi, les partisans de la deuxième génération, si je puis dire, de l'autorisation automatique, ils étaient déjà en campagne. Hein. Enfin, ça va encore aller à peu près 10 ans, je pense. Il faut compter ça. En revanche, la première génération, les examens se sont beaucoup simplifiés. Avant, il fallait faire un examen à la commune, au canton, puis revenir à la commune. Maintenant, c'est plus qu'une des deux procédures communes, d'ailleurs, entre le canton et la commune. Enfin, ça a pris quand même des allures. Et puis, il y a énormément de naturalisation. Je ne dirais pas automatique, mais enfin facilité par le mariage, c'est clair. Mais ça, on ne sait pas exactement à combien ça coûte, à qui. Ce n'est pas forcément gratuit. Alors, voilà. Mais enfin, c'est un point difficile. Dans certains cantons, rien que l'idée. Alors, il dit, par exemple, les cantons, il y en a encore un ou deux qui ont ce qu'on appelle une Landsgemeinde, c'est-à-dire que 2 à 3 fois par an, enfin généralement 2 fois par an, une fois pour les comptes, une fois pour le budget, on se réunit sur une grande place, tout le monde est debout, sous la pluie s'il faut, et puis vote. Alors, on votait avec l'épée, hein, pas main levée, mais avec l'épée levée. Hein. Alors donc, c'était une affaire d'hommes, etc. Et puis alors, il a fallu admettre les femmes. C'était une histoire. Il faut construire des tribunes supplémentaires, etc. Alors, ils ont dit, bon, elles ne viendront pas. Oui, elles veulent venir. Bien sûr qu'elles veulent venir. Elles sont venues. Et il a fallu faire des tribunes complémentaires. Et tant mieux. Alors, ils disent, on ne peut pas donner le droit de vote aux étrangers parce qu'il fallait encore reconstruire les tribunes. Hein. Encore plus haut. Alors, où est-ce qu'on va avec tout ça? Ça va coûter cher. Et donc ça c'est des mentalités, mais ça, je veux dire,
Dieu merci, ça, c'est en voie de disparition, mais ça a traîné très, très, très longtemps. Il y a un petit canton qui s'appelle, qui était deux demi-cantons avant, il y en a un, c'est comme un noyau, c'est les Rhodes intérieures, et puis après il y a les Rhodes extérieures, c'est comme un anneau autour, comme une lune, une grosse lune comme ça, et puis après encore un autre autour. Alors, à l'intérieur, c'est catholique, résistant, conservateur, etc. C'est le dernier demi-canton qui a donné le droit de vote aux femmes, tout récemment. Et puis après, c'est les Rhodes extérieures, c'est radical, protestant, plus ouvert, incontestablement, naturellement. Puis après, c'est encore un autre canton, Saint-Gall, canton très catholique, qui referme en quelque sorte tout ça sur le noyau central. C'est la carte des religions en Suisse, c'est un chef-d'œuvre de complications. Il y a quelqu'un qui... Je m'appelle Louis Simonetti. Je voudrais savoir, historiquement, qu'est-ce qui a fait les autres cantons à joindre les trois petits cantons centraux? Il y a eu beaucoup de raisons. Alors d'abord, ces trois cantons centraux, Ourichwitz, Unterwald, sont des cantons de montagne au centre suisse, au pied du Gotthard. Et sont des régions de forêt et sont des régions de pente dans lesquelles vivaient des populations qui avaient deux obsessions. Un, ne pas avoir affaire aux autres, hein, se débrouiller tout seul, et surtout pas avoir affaire à des juges étrangers. Juge étranger toute personne qui montait de la ville. La ville de Lucerne, par exemple. Et les cantons qui se sont joints, c'est les autres cantons voisins qui sont aussi dans la même circonstance, autour de ce qu'on appelle le lac des quatre cantons, qui est un lac qui est très, très compliqué de structure et autour duquel on trouve justement... Nidwald, Lucerne, Schwyz, Uri et Glaris. Et ces cantons-là, autour de ce lac des quatre cantons, qui en fait sont cinq, a été le noyau, la première extension du noyau. Et puis après sont venus les bourgeois des villes. Alors est arrivé Lucerne, et est arrivé Zurich, et est arrivé les autres, régions qui ont fait que en 1513, la Suisse comprenait déjà 13 cantons. Et il y avait aussi Saint-Gall précisément. Et différents cantons, dans l'ensemble, plutôt catholiques. Ces cantons-là sont descendus en plaine et ont pris comme colonie, en fait, des cantons avoisinants. Et sont devenus, se sont réunis, la première confédération se réunissait dans une diète, c'est-à-dire un parlement annuel, dans lequel il y avait un seul sujet, c'était la gestion des bailliages communs, ça s'appelait, c'est-à-dire des cantons pas souverains, qui ne faisaient pas partie de la confédération, mais qui étaient quand même d'un apport intéressant du point de vue économique, comme Argovie, comme Thurgovie, comme le canton de Vaud, comme le Tessin, etc., qui étaient des endroits, il y a des expressions allemandes pour le dire, et toute cette diète se réunissait régulièrement à Soleure, qui est un peu un pivot entre la France suisse romande, la Suisse alémanique, etc., et gérer les colonies. Et c'était la Suisse des 13 cantons qui en gérait, en fait,
largement 18. Et ces cantons se sont, ont pu entrer, ont été entre guillemets libérés par la réforme, sont devenus des cantons protestants et sont devenus des cantons autonomes et ont pu rentrer dans la Confédération en plusieurs vagues. Donc depuis 1513, ça ne bougeait pas et ça s'est mis à bouger justement. En 1760 pour un ou deux, et puis en deux grandes vagues, en 1803 où il y a le canton de Vaud, et en 1815 où les derniers cantons sont arrivés, c'est-à-dire Neuchâtel, Genève, Tessin et Valais. Muito bem, ganhamos de brinde aqui um curso de história da forma. Laurette me souffle évidemment une chose qui nous paraît pas tellement. Non, c'était au départ, c'était une alliance défensive contre l'Empire, évidemment, contre l'Empire des Habsbourg, les juges étrangers qui venaient là, les baillis et tout. Bon. Et puis après, c'était une alliance certes défensive, mais la Suisse s'est repliée sur elle-même. Au plus tard, en 1515, à Marignan, quand elle était battue par les Français, après avoir été battue une ou deux fois par d'autres, dans d'autres batailles, dont la plus ancienne était celle de Jules César. Mais c'est après, vraiment, c'était au début, c'était un noyau défensif, et puis après, c'était quand même une organisation commerciale très active. Quand Zurich et Lucerne ont rallié la Suisse et Bâle, justement, en 1513. Alors là, c'est devenu une puissance économique. Muito bem, eu sou obrigado a encerrar agora, porque o nosso tempo se esgotou. Yvette, merci beaucoup. C'était extraordinaire. Acho que aproveitamos muito. Em nome do Centro Ruth Cardoso, eu agradeço, em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso, idem. E conclusão breve, mas que eu acho que é uma lição que todos nós podemos extrair daqui, que democracia dá trabalho. Né? Você tá. E exige um engajamento ativo dos cidadãos. É difícil num país como a Suíça, imagine num país como o nosso. Mas isso não é motivo para desânimo, acho que é motivo para que o tamanho do desafio é grande, mas o tamanho da vontade de superá-lo, acho que pelo menos das pessoas que vieram aqui hoje, também é grande. Então, com essa conclusão breve, eu encerro, mais uma vez agradecendo e pedindo a vocês uma salva de palmas. Merci. On dit souvent chez nous que la démocratie est une très belle femme qu'il faut respecter, bien sûr, mais à laquelle il faut faire des aussi qui aime bien recevoir des cadeaux. Et les cadeaux, c'est justement le respect de l'opinion d'autrui qui est le fondement de la démocratie.